de roman dont parlait Tiffel tout à l'heure, qui s'intitule Les enfants chinois et qui est paru l'année dernière. Dans ce roman, il y a un personnage principal, celui qui s'appelle Chino, donc diminutif de Franz en Bretagne, François donc. C'est un jeune garçon d'environ une quinzaine d'années, et qui, à mesure que le récit se développe, engendre des sortes d'avatars de lui-même qui sont à chaque fois une figure différente, un domaine différent de ce qu'on peut appeler l'enfance. Et à peu près à la moitié du volume, il y a un chapitre qui tire le bilan de ces avatars, qui sont au nombre de quatre jeunes garçons. Et le chapitre pour cela s'intitule « Blouse de l'enfant plié en quatre ». 1. Je suis l'enfant indécis, l'enfant imprécis, l'enfant du génie et de l'idiotie, l'enfant à jamais pas fini, l'enfant condamné à s'améliorer, l'enfant qui a du mal à suivre la voie car elle est tortueuse pour le samouraï qu'on l'a sommé d'être, l'enfant à cause de sa sournois, fabuliste et pétochard, l'enfant des présages flous, l'enfant trou de sa mémoire dès le départ, l'enfant compliqué à destin multiple comme un couteau suisse, l'enfant qui ne s'aime pas plus qu'on ne l'aima ou qu'il a cru qu'on l'aimait peu, l'enfant qui recherche partout où il est la preuve de lui-même, l'enfant jamais vu par soi que dans les yeux suspicieux d'autrui, l'enfant poursuivi par soi-même partout jusqu'à la perpète, dans ce qui sera son corps de vivant, au seuil de la tombe ou sur le paillasson aux portes de l'infini. Mon père m'a dit, par voix de son maître, pour copie conforme sa moitié et ma mère, que je n'avais qu'à bien tenir mon rang, c'est-à-dire moi-même en version sociale, à bon entendeur, salut, je m'entends. Avec codicille, en parler moral, qu'un bon communiste est premier partout, et pas minus moche chez les derniers en tout. Prends ça pour ton grade, si t'es que deuxième. J'ai pas su d'emblée ce que signifiait l'adjectif critique pris comme substantif, et fort peu après l'avoir deviné, je ne l'ai plus su. Mais je fus depuis, et je suis encore, jusqu'à ce que viennent toujours, et ses suites, tendues là-dessus comme un élastique, et il me revient souvent à la gueule quand je me trouve nul, or, c'est bien souvent qu'on s'apparaît tel, et à des hauteurs moins hautes qu'on voudrait, surtout quand on sait pas bien où le haut est. 2. Je suis l'enfant nettoyé, l'enfant qui sent bon, l'enfant de Cadom et du torchon, l'enfant par les siens d'emblée épinglé aux nuées, l'enfant de l'ange et de l'alérion, l'enfant loup charmé et calmé dès avant de naître par le père François de tout poil ou plume, l'enfant du cou généreux, l'enfant complaisant, l'enfant sacrément bon en sang, l'enfant ami des oiseaux, des chiens et du vermisseau, l'enfant aux petits soins pour tous les autrui, car l'humain est bon selon son appréciation. Mes aïeux m'ont dit, aime Dieu, sa mère et la tienne, et tes proches cousins, puis le voisinage par cercle concentrique jusqu'à ton prochain, même le plus lointain, et les créatures prises en général. Ils te le rendront, même si pas demain, qui en indulgence, qui en bonbon, qui en coup de langue, signe d'affection, qui en caresse de sens voisin, qui en budget sonnant au trébuchet, qui en reconnaissance manuscrite de dette, qui en t'honorant de sa sympathie, qui en te donnant droit à la vie en leur compagnie, au bal du samedi, puis à la fabrique, parfois au défilé dans l'unanimité, plus tard à l'hospice. Je n'aime plus Dieu. Il me l'a rendu, voyez mes écorchures et le bleu des doutes qui me tuméfient. Sa mère et la mienne, elles me font la gueule derrière leur tricot en médisant de mes actions, depuis que les dites ont périclité en chute à la bourse de leurs opinions. Quant à mes cousins, ils ont fait la malle vers d'autres soleils moins tièdes qu'ici, et même pas un mot pour dire où ils sont et s'ils traînent misère moins qu'au lieu natal.
Des oiseaux m'emmerdent à bouffer sans cesse leur poids en ver blanc, lesquels persistent à être à moi indifférents. Les chiens m'aiment parfois, où ils font semblant, si je les fournis en os de pâté, sinon ils me montrent, comme à tous, les dents. Pour les créatures, elles m'empestent surtout avec de l'odeur de sournoiserie, car la matière morale en elles est surtout chafouine et la physique pourrie. Mais je leur ferai du bien malgré elles. Et je saurai bien pour la reprendre à vivre, arracher les dents cariées du vice qu'elles ont dans la peau pour mettre à la place du penchant plus beau. Le soleil levant sur la cité future, la fin des castagnes entre les gros lards et les efflanqués, et les lendemains qui gazouillent des cœurs populeux sur les ruines fumantes du palais d'hiver. 3. Je suis l'enfant grenouille, l'enfant gluant du dedans, l'enfant qui se bave et se morve dehors, l'enfant projecteur de liquide sur tout, par tous les trous, l'enfant d'arpote à la moche et d'arpite à la mousse, né du matelas d'hypothalamos et de l'étaïre hypodamie avant Jésus-Christ, l'enfant enchanté par la fée gadouille et Merlin barbouille, l'enfant du limon resté à sa boue à jamais collé, l'enfant Groucho Marx aux genoux pliants dans l'axe du cigare rougeoyé du bout par le feu d'essence, l'enfant hormonal, l'enfant cochon. Mes vieux m'ont rien appris, sauf en implicite par force d'exemple, à me perpétuer pareil qu'eux en gros au fil de la viande. Mes frères m'ont montré par des exercices gymnastiques pratiques où ça fait du bien quand ça passe à ce qu'ils disaient avec des œillades. Mère ne m'a rien dit, sauf de décoller mon œil du trou de serrure de la salle de bain quand elle prend le sien. Ma grande sœur non plus, mais de m'aller voir ailleurs où pas elle ne va qu'à des ablutions en combinaison à dos du bidet. Ni ma petite sœur, sinon que de son minou à nul poiluchon je retire mes doigts, les nuits où l'on dort dans le même lit par économie d'hôtellerie. Père, pas davantage. Quoiqu'il m'ait convié au fond du jardin après les travaux en horticulture, au concours d'urine qui pose le mâle en tant que fortiche un peu là en jet. Puis, il m'expliqua en termes sans détour que ça exerce l'homme digne de son père, à pisser pareil par le même tuyau, autre chose comme sirop, avec un clin d'œil. J'ai pissé très haut, très loin, et tout jaune, sous l'assentiment de toute la fratrie vers les héliotropes, et on a bien ri que ma goutte pleuve fort loin du soleil. C'était pas comme eux, mais patience les potes, qui vivra plus loin, pissera plus haut, et pas que dans l'herbe. 4. Je suis l'enfant gymnastique, l'enfant musculaire, l'enfant acrobate, l'enfant trompe-la-mort appelé Zébos, l'enfant performant, l'enfant saltimbanque, une paille au-dessus de sa propre poutre, l'enfant en extension, l'enfant au départ oblique tous les jours, l'enfant une tête devant lui-même, l'enfant qui va plus vite nulle part et partout que soit à vélo, l'enfant de l'agrès et du chronomètre. Père m'a dit, sois fort, purifie ton corps. Entraîne dans l'ardeur comme conseil Shojin, le sage tout bridé, et va pas distraire dans la paresse, la boisson, le style intellectuel maigrichon. Et frappe. Frappe l'ennemi au corps, frappe la vie au poing comme sur sac de sable, frappe au cul le kleps qui te barre la route en crottant dessus, frappe au cœur Tristan, au ventre Agrippine, dans l'œil qui tu veux, où veut qu'il te veuille. Et mère fit chorus, quoiqu'en décalé, car l'aspect sportif le cède chez elle à la passion associative. Elle m'a dit un jour, alors qu'elle cousait à cause de grossesse proche ou imminente sur gros S singère à pédale d'acier, « Tu vas pas rester empoté tout seul dans ta marmelade. Ajointe à autrui. Adhère résolument au club. L'homme est comme le termite ou la fourmi, non l'ours, il vit et peine en tas. » Faut dire que mère en sait long en bout sur ça. Elle souffle sans cesse sur toutes les ficelles pour qu'elle fasse des nœuds. Faufilage, couture, surfilage, ourlet, stoppage, assemblage, à gros ou petits points, dada, violon, la marotte. Elle voudrait tisser tout sans accroc à tout, dont la descendance à la société, au voisinage la nichée, fille et fils au fil du tissu d'ensemble de l'activité reliée globalement à tout qui s'agite pour se continuer. Elle est elle-même, à titre d'exemple, de toutes les ligues, union, clique,
cercles et associations, tant philanthropiques que plus militantes, de bonne amitié et de concorde fortifiée, de parfaite union comme de commerce et persévérance réunies, tant de la Philadelphie armoricaine que de la Jérusalem des vallées égyptiennes, des femmes françaises comme de Tupperware et des joyeuses tricoteuses. Ainsi, je suis l'enfant cousu forcément tenté par le décousu de n'importe quoi. Mais l'enfant musclé jusqu'au bout des doigts, qui résistera des quatre fers à ça, et qui se fera des crampes aux pensées de peur de déraper. Voyez la tétanie en boule au bout de chaque extrémité qui ne cesse pas, à cause de ça, de me ravager la face de tique, acné volcanique en feu, rictus et grimace. Mm-hmm.